Salut, allez, on se retrouve pour une vidéo sur e-racing. Désolé, ce sera un résumé de course cette fois-ci. Comme d'habitude, je ne recorde pas toutes mes courses à chaque fois. Donc c'est pour ça que voilà, je vous fais un petit résumé. Alors c'est pas un résumé, c'est un commentaire après course. C'est une course qui dure 25 minutes. Hop, hop, hop. Je vous arrête tout de suite. C'est vrai qu'effectivement, 25 minutes, ça peut paraître long. Mais croyez-moi, si je la mets, c'est parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Pourquoi je mets que j'apprends toujours à chaque course? C'est parce qu'en fait, chaque course est différente, chaque combo est différent, chaque catégorie, chaque type de course. Là, c'est du multiclasse. Donc, il y a vraiment des situations difficiles à comprendre à l'instant. Donc, voilà, c'est pour ça. Ça me tient à cœur de vous faire ce résumé, non, ce commentaire d'après-course, parce que vraiment, il s'est passé énormément de choses. Et voilà, j'ai décidé maintenant de vous faire ça que vraiment quand c'est intéressant. Sinon, des courses, à proprement parler, j'ai bien compris que c'était plus trop le kiff de personne, surtout quand ça dure trop longtemps. Donc là, le soft était de 1600, donc je suis redescendu un petit peu à 1500 en termes de rating. Donc voilà, c'était avec je sais même plus, la Toyota, je vais y arriver, celle que je. J'utilise quasiment tout le temps dans cette multiclasse, il y en a plusieurs, mais voilà, c'était vraiment celle-ci qui me tenait à cœur. Donc on va partir là-dessus, je vais vous montrer un petit peu, vous expliquer en même temps. On va lancer tout de suite la course, le tour de formation. Si j'oublie des choses, je vous le redirai, mais je vous ai mis du multicam, donc comme ça au moins, pas d'excuses, vous aurez un peu toutes les infos, vu du dessus, vu replay. Donc voilà, donc je démarre sixième de ma catégorie, voilà en gros le départ, donc pas trop mauvais, le circuit. Vous allez vite le reconnaître, c'est Spa, donc je vous dis 25 minutes, normalement il y a en haut à gauche le Race Lab, donc vous avez toutes les infos. Donc là ça va start très très bientôt. Au niveau du départ, je suis toujours encore un petit peu, c'est un petit peu compliqué, hein. J'ai vraiment du mal vraiment à faire quelque chose de alors propre, oui, mais surtout de compétitif, parce que je me fais souvent voir, malheureusement, parce que je veux pas être trop près devant pour pas les taper. Je veux laisser un peu de marge avec celui qui est derrière. Donc voilà, ça va démarrer ici. Et vous savez déjà que le raidillon, c'est souvent compliqué au départ si on est trop près ou si on est à deux de front. Donc là, je prends un peu mes distances et ça va démarrer. Oui, ça freine déjà un petit peu. Là, je suis sixième. Je vais déjà peut-être vite descendre. Mais mon but, c'est de déjà passer le raidillon de façon safe. Donc on voit, moi, je suis la jeune et noire. Donc la première jeune et noire avec la bande latérale. Et ça se passe bien et on prend déjà l'aspi puisqu'on peut déjà bien rentrer dans le raidillon pour mieux sortir sur cette longue ligne droite. Donc la caméra du dessus en bas à droite vous permet de voir un petit peu ce qui se passe et vous voyez quelqu'un à droite. Mais avec le radar, voilà, je vais vite couper je pense. Avec le radar je sais qu'il n'y a plus personne, donc je me resserre un petit peu. Et puis il se décale. Les pneus froids, la totale. Et du coup avec le V-bar, je me fais déjà surprendre. Voilà. Donc déjà, je peux vous dire ça commence très très mal, je vais chuter. Hein. Je reviens, c'est safe, il n'y a plus personne derrière, je suis avant-dernier de ma catégorie. Ouais, il y a une GR86 qu'on voit là, rouge et noir, je suis avant-dernier de ma catégorie. Voilà, voilà en gros, en haut j'étais quasiment le seul, je ne sais plus s'il y en avait d'autres, bref, c'est pas le sujet. Là le sujet c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je donne tout? Est-ce que j'attaque à fond? Franchement je ne savais pas trop comment faire, je ne savais pas dans quel rythme j'allais aller. Je ne sais pas les autres comment ils allaient se placer, donc voilà, on se dit qu'on n'a pas encore fait un tour et je suis avant-dernier de la catégorie Toyota. Donc là déjà il faut se dire allez prends sur toi Seb, c'est pas grave, c'est le début, tu peux regagner des places, le but c'est d'en perdre le moins. Alors vous voyez, Race Lab donne toujours un petit peu à peu près de points que vous allez gagner ou perdre, vous en êtes par rapport à votre rating, et là je suis à moins 83 points, donc dire ça peut faire très mal. Donc mon but c'est de remonter, chose que je vais essayer de faire, je spoil rien du tout. Bien sûr qu'il va y avoir une remontée, sinon je ne vous montrerai pas non plus ce qui se passe. Mais le but aussi, c'est d'essayer d'apprendre des erreurs, de réfléchir comment faire et surtout de ne jamais perdre confiance parce que c'est que le début de la course, ça dure quand même 25 minutes. Hein. Sur Spa, il peut y avoir quand même pas mal de choses, notamment en multicatégorie. Donc, on voit déjà que j'ai un peu de mal à rattraper celui de devant. En tout cas, je le surpasse pas, je le surclasse pas en termes de temps. Donc, on va reprendre un petit peu confiance avec la voiture, voiture que j'adore toujours. Incroyable, je crois que si de tête je dis pas de bêtises, elle est gratuite. Voiture que j'adore toujours autant parce que elle est fun en fait. Je crois que j'ai mis le traction control à zéro et je peux la mettre en dérive assez facilement sans trop me mettre en danger. Donc ça, je trouve ça vraiment excellent. C'est vraiment d'ailleurs pour ça que j'adore cette caisse plus que la MX5. Donc là, c'était en séquentiel, donc directement avec la boîte Fanatec. Donc là je suis mieux ressorti, mais pour autant, même si on ressort mieux, vous voyez, il est toujours à droite, on le voit là, on le voit sur tous les angles, je ne fais pas de dessin,
Donc, c'est vraiment pas simple. Donc là, il est devant et on va encore une fois passer le raidillon. La question est toujours là, qu'est-ce que je fais? J'accélère. Là, j'ai décidé de me mettre derrière à la spi, de pas forcément trop accélérer, mais de toute façon, j'arrivais pas à le rattraper, j'étais à 2 dixièmes. Derrière, il a 3 secondes, le dernier en Toyota. Voilà, je le prends mieux, je vais aller à la spi, on va voir où il se place, on va voir où moi je me place, je prends l'extérieur, je sais, je connais le circuit, donc je sais où est le prochain. Je suis pas forcément mieux placé, mais on va voir au freinage comment ça se passe. Et vous voyez qu'en termes de puissance égale, il n'y a pas grand chose à faire, hein. C'est vraiment le pilotage, les trajectoires, les freinages qui font la différence. Là, je suis un peu devant, mais ça joue pas grand chose, hein. Clairement, donc il freine mieux, en tout cas il y va. Moi, je suis vraiment très très safe, forcément après ce qui m'est arrivé au premier tour, ça fait réfléchir, hein. T'es un peu moins serein sur tes attaques, donc tu veux pas réitérer le problème que tu viens d'avoir, donc voilà, bon, tu dis que tu ne fais pas trop détacher, il y a encore du monde devant, à 4 secondes il y a le P11, donc voilà, c'est que le deuxième tour, mais l'air de rien, il y a quand même plus de 7 minutes déjà de passer, donc il va falloir commencer à y mettre un coup. Il s'est pris un fois X, un fois 1. Peut-être fois 2. Petite dérive. Ah, là il y a de la fumée, donc il y en a un qui s'est mis soit en sortie, soit au top. Non, il est là juste devant. Je regarde en même temps mon retour. Voilà, lui le double. Et moi, vous allez voir, il ne laisse pas passer. Enfin, en tout cas, c'est normal puisqu'on se bat dans la même catégorie, mais. J'ai l'impression qu'il a vraiment laissé passer celui devant et moi j'étais un peu trop loin. Donc du coup il va falloir encore que je me bats avec lui. Donc à mon avis ses pneus ont pris un petit coup quand même, parce que vu la sortie et la fumée que j'ai vue, ça devait mal se passer pour lui. Il va essayer de garder le rythme. Et moi l'air de rien je suis toujours en dernier. Donc ce qui va peut-être m'aider, et c'est l'arrivée des véhicules plus rapides derrière. On va voir, la première elle est à 8 secondes, ce sera pas encore pour ce tour-ci. Gros gros freinage, ah, je le touche un peu je crois. Rien faire, toujours 14e. On va essayer de décroiser, mais pas moyen, il n'y a pas assez de relance. Je suis toujours au même niveau, je suis un peu plus rapide. Donc là, je suis arrivé déjà à sa hauteur, on le voit en bas à droite. Mais je vais pas réussir à le doubler, donc je vais devoir lever le pied. Je préfère, encore une fois, c'est un choix, bien évidemment. Pilote agit de façon différente, mais moi je préfère perdre un peu de temps, rester dans la spi et essayer de le prendre au freinage plutôt que d'aller à deux de front sur le raidillon où il y a de grandes chances que ça se termine mal. Donc voilà, j'ai été vacciné déjà au premier tour, donc je prends un petit peu d'assurance, même si encore une fois je perds un peu de temps. Le 11e, il y a plus de 4 secondes 5 maintenant, donc c'est compliqué. Là je vais me décaler au freinage, je suis un peu en retard, donc je tente pas ma chance, je fais pas de dive bomb, hein, je suis peut-être un peu trop gentil, n'hésitez pas à me dire, hein, par rapport à vous, votre pilotage, mais voilà, je préfère, de toute façon, même si je le passe, vous voyez, en termes de perf, je ne suis pas non plus vraiment dessus. C'est ça la force aussi du racing, c'est-à-dire que le fait d'avoir pas mal de monde, ça permet d'avoir de niveler un petit peu les niveaux de course, donc voilà, ça permet de se retrouver avec des gars qui sont au même niveau que moi. D'ailleurs, devant, il a 1500 d'hier, derrière, il a 2000. Mais bon, c'est une autre voiture aussi. Là, il y a du 1400, 1600, 1500. Il y a juste mon rang. Je suis en A3.6, donc qui, entre guillemets, signifie la performance de propreté du pilote. Donc là, on l'a passé. On a réussi à s'en défaire pendant que je vous parlais. On va reprendre le mec qui était devant. Ok, j'avais pas réussi à me hisser à sa hauteur. Donc là, on perd déjà un petit peu moins de temps, le 13e. C'est pas la folie, hein, ça je vous l'accorde, c'est toujours pas exceptionnel, mais toujours pareil sur les racing, certainement sur les autres, mais c'est plus important sur les racing, c'est de bien noter les limites de piste. À chaque fois tu te loupes,
Il y a des endroits où il ne faut pas souper, tu perds des points. Il y a des endroits où tu peux élargir de façon assez considérable et ça te permet justement d'élargir. Oh là, alors que là, il y a une voiture qui me fait. Oh là là, il n'a pas dû être beau ça. Ouais, c'est lui fautif, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a eu un loupé là-dessus. Donc on va remonter en place. Donc ouais, il y a des endroits où tu peux, comme là, justement, je pense qu'on pouvait élargir un petit peu pour gagner un petit peu en perf. Là, le freinage, pareil, je ne vais pas prendre de risque. Toujours jauger le freinage de son adversaire direct, savoir s'il freine tôt, savoir s'il freine dans les règles de l'art, c'est-à-dire dans sa trage. Lui, on va le doubler également, on va reprendre une place, je pense, ouais. Dixième. Vous voyez, en même pas un tour, on peut gagner trois places facilement, donc c'est pour ça, ne jamais abandonner, même si au niveau moral, alors, il y a à ma droite, là, orange, là. Non, c'est derrière. Ok. Donc là, ça passe. Jamais abandonner parce qu'en fait, on peut toujours se sortir de certaines situations. Après, bien évidemment, si je m'étais sorti et que j'avais défoncé et qu'il fallait repasser au stand, voilà, là, je peux concevoir que c'est un petit peu plus difficile à encaisser, mais on a, en tout cas sur e-racing, on a plus à perdre, à arrêter qu'à gagner. Donc, là, je suis dans son aspi. Je vais pas le lâcher. Je suis encore trop loin. Trop loin et au freinage ça n'ira pas donc je vais me porter quand même à sa hauteur, je me rappelle plus hein, très clairement j'ai fait la course il y a deux jours, je vais être totalement transparent avec vous, le temps de rapatrier les vidéos, hein, quoique ça passe, ouais. J'y suis allé un peu au culot entre guillemets et lui a pas forcé donc voilà, il y a eu du respect des deux côtés. Il a la même ratine que moi sauf qu'il est en C2.6. Peut-être qu'il débute, j'en sais rien, s'il débute, enfin, il n'est pas trop mauvais. Hein. Mec, normalement, j'aurais pas dû me retrouver là, mais bon. Peut-être que je me suis vautré au pire des endroits, quasiment, parce que c'est au début, et après, tu peux pas faire demi-tour. Enfin, je veux dire, le temps de redémarrer, tout le monde est passé. Ça, c'est un peu frustrant. Donc le Spa, si je dis pas de bêtises, qui n'est toujours pas mis à jour hein, sur cette version d'e-racing. Ça, c'est un petit peu... peu problématique. Encore une fois, on paye les voitures à un prix quand même assez conséquent, mis à part celle-là, on paye les circuits assez conséquents, on paye les serveurs, tu pourrais t'estimer, disons, ce serait logique de pouvoir avoir les circuits à jour. Toujours devant, par contre la mauve qui est derrière elle est à un dixième, elle est bien dans mon aspi, elle va se montrer là c'est chaud, là pour passer à deux je garde pied au plancher mais voilà il faut faire attention aux limites de piste, lui il était à l'inter, il a pris du coup de l'avance et là ça va jouer au freinage, pareil, endroit assez délicat, si les deux ils mettent pas du sien, on va parler un peu mieux de la France. C'est un peu compliqué, donc là il a, je pense, un petit peu levé le pied. Donc ça me laisse devant, 9ème. Vous voyez, on a remonté et on est à moins 17 points. Alors ça reste des points, je suis d'accord avec vous, c'est pas ça qui va me faire le truc. Alors que là c'était encore une fois en dérive. Certains d'ailleurs sur une de mes vidéos sur le online de RFU qui est en bêta, on m'a dit à juste titre d'ailleurs, c'était une remarque assez pertinente, c'est en fait les points ça te met plus de pression qu'autre chose, ça sert pas à grand chose. Je suis d'accord et pas d'accord, donc c'est vrai que c'est intéressant comme sujet. Mais c'est vrai que les points du coup sur RSI, on est, je vais pas dire constamment en train de les regarder, mais il faut essayer d'y faire abstraction. Donc, alors tandis que là je suis 8ème maintenant, je suis à la porte des points, malheureusement là j'en parle, mais la mauve elle est toujours derrière, mauve ou rose, ça dépendra de votre perception des couleurs, mais elle est toujours derrière, moi je me décale, il se met dans l'autre côté, on décale jusqu'à un petit peu mieux peut-être. Pas dû apprécier un décalage un peu tardif, je sais pas ce que vous en pensez. Je suis toujours devant, là il va y avoir une bonne bagarre parce qu'en fait je pense qu'on est quasiment au même niveau en termes de temps. Ah, il me fait des appels de phare, oui, alors, soit c'est parce qu'il montre qu'il a pas apprécié ce que j'ai fait, ce qui serait normal je pense, soit c'est pour me déconcentrer, ça se fait assez souvent. Ah,
va commencer à rattraper un beau petit paquet de monde, vous voyez juste devant. Alors que les plus rapides de la catégorie, l'autre catégorie de voiture est à 5 secondes 5, donc ça veut dire que ça va bientôt revenir. Et là, il y a des places à prendre. Là, clairement, il y a 3-4 places à prendre, ça va commencer à devenir chaud. Sachant que derrière, c'est pareil, il est toujours là. Donc c'est là où je vous dis, ça va commencer à devenir intéressant et tendu, parce qu'il va falloir gérer devant et gérer derrière. Ça, c'est toujours un moment délicat. Il faut appréhender ça, mais c'est pas simple, ça je vous le cache pas. Donc là, ils sont 4. Donc ça peut potentiellement me faire remonter très très bien. Ah, je me suis trompé, je lui ai dit qu'il n'y avait pas de A, mais s'il y a Jean-Louis qui est en A49, je pense que vous voyez à la 5e position. Il est toujours derrière, même endroit, même punition. Cette fois-ci, il se met à droite. Toujours pareil, je ne sais pas trop où mettre. Pareil, il prend à gauche, il reste sur ma droite. Ça se décale des deux côtés, hein. C'est peut-être pas très académique, mais ça se décale. Après, ça fait quelques tours qu'on est l'un devant l'autre, l'un derrière l'autre, ça dépend où vous êtes, mais on devrait commencer à connaître celui qui, avec qui on est en train de se battre. Mais normalement, c'est vrai qu'il faut garder sa ligne le plus possible. Ah, là, il a dû être touché, je pense. Il a dû être aidé, donc du coup... Ça me fait gagner encore une petite place, je prends, là je peux pas me mettre à sa hauteur, je peux pas le doubler, je reste dans son aspi, j'ai pas le choix, là à ce niveau là, je sais que certains ils seraient allés, mais tu veux mettre ta voiture, il n'y a pas de souci là, si tu veux aller à l'accident, c'est la meilleure chose à faire, donc je préfère rester encore une fois derrière, prendre l'aspi, lui il se décale là, donc du coup là, lui l'aspi il l'a plus, moi je l'ai avec la noire, donc ça déjà c'est une bonne chose pour moi, là rose, on va dire la rose et noire, elle est toujours derrière. Je tente de me mettre au milieu, parce que là franchement je suis plus rapide, qu'est-ce que je fais? Là maintenant qu'est-ce que vous auriez fait? Jusqu'au bout? Ouais, on est à 4 là, vous voyez l'image. Moi j'ai freiné, hein. Je me suis dit, allez, ça, tu te ranges, tu fais le petit gentil. Maintenant c'est une prise de précaution, là où d'autres auraient tenté. Non, moi je préfère voir un peu ce qui va se passer, et tenter plus tard, un endroit un peu plus safe. On était à 4 quand même, ça aurait pu être le gros carnage. Là ça passe, toujours 7ème. Derrière il est toujours là, combien de 2 dixièmes. Il en est à 19 minutes, il en reste 6. Ça va nous faire un coup de 3 tours ça je pense. Du coup les plus rapides derrière sont à 4 secondes, ça revient tout doucement. Dans un tour et demi, ça va commencer à arriver. Les deux sont en bagarre, donc ça c'est parfait pour moi. J'attends vraiment le FB et le comportement de cette caisse. Allez, on se décale à l'extérieur. Est-ce que ça passe? Non. Lui, il m'a pas l'air trop sûr de sa voiture, lui. Ça va à gauche, à droite, ça joue sur les vibreurs. Oh là, à droite, il en profite. Pendant que je suis dans l'aspi et en train de me battre avec lui, à droite il est passé. Ça c'est bien joué de sa part. Bah, moi je vais prendre son aspi du coup vu qu'il est plus rapide. Et à gauche il est là donc pareil, je vais rien pouvoir faire. Ou alors je vais tenter comme tout à l'heure à l'extérieur mais en gardant le maximum de vitesse. Ouais, j'ai lâché un peu. J'ai joué petit bras. Ça, ma façon de piloter maintenant, je prends plus de risques. Ouais, ça reste la course. Voilà, c'était chaud. J'en prends quand même, mais des risques, on va dire, mesurés. Plus mesurés qu'avant, parce que j'ai rien à y gagner, et puis défoncer la course de quelqu'un, ça m'intéresse plus forcément. Ça ne m'a jamais intéressé, mais je veux dire, je prends beaucoup plus de marge de sécurité maintenant. Donc on est redescendu 8ème, et derrière, les premiers sont à 1 seconde 6. On les voit, là, on les a vus. Dans la caméra en haut à droite, on voit derrière toutes ces MX-5. Regardez-moi ça, le train MX-5, il y en a une, deux, il y en a 5 au moins. Et là il va falloir gérer ça, et là je peux vous dire ça va commencer à être coton. Parce que là tu es en train de te battre contre 3 mecs devant, et il y en a 5 derrière qui sont mieux classés et plus rapides que toi. Donc là toute la question va être de comment faire. Je suis bien à l'aspi.
devant ils sont à l'aspi aussi les deux. Quand je me décale, je suis à l'intérieur, ça devrait être assez safe, hein, mais je suis pas forcément au même niveau que lui, donc là je suis revenu sur mon copain. Je suis content malgré le fait que je sois plus en... enfin, je sois pas en VR là, en tout cas notamment sur cette course là. Ça me permet quand même maintenant d'appréhender mieux les distances. J'ai retrouvé un peu une assurance dans cette mesure là, chose qui est plus facile à faire en VR. Allez, on est pas mal derrière 6 dixièmes, c'est bon, j'ai un petit confort. Double gauche, il n'est pas forcément évident. Je suis mieux rentré. Hop. Allez, on va essayer de se prendre là. Je suis à l'extérieur encore une fois. C'est pas la meilleure des positions. Derrière, il est revenu aussi. Il était à 6 dixièmes, je vous rappelle. Il y a encore 2 virages et là, il est à 2 dixièmes. C'est chaud parce que... Oh là, il se sort. Là, il se sort. On va essayer de le prendre à droite. Ouah, non. Il s'est pas essayé de faire ici. Il est resté au milieu de ligne. C'est comme ça, c'est la course. Moi, tout à l'heure, j'ai pas été non plus très clean sur ma ligne. En changeant un peu à gauche à droite, donc voilà, il faut savoir aussi accepter ce que les autres font, parce que nous on l'a peut-être fait aussi. Derrière, bah là il est là, un dixième. La première mix 5 à 3 dixièmes, là ça va être le carnage. Là c'est là où on prend de l'expérience, parce qu'on arrive dans des situations, des conditions de course qui sont pas forcément souvent répétées. Donc on va voir. Allez, gros freinage. Avec les mix 5 qui commencent à arriver. Elle est juste derrière, mais elle aussi, elle est en bagarre. Donc c'est là toute la difficulté pour tout le monde de gérer et trafic et nos places, ne pas en perdre, mais ne pas se faire défoncer. Puisque clairement, de toute façon, avec l'Inix 5, le but c'est pas de gagner des places, puisqu'on peut rien faire contre elle. Mais voilà, voilà, j'ai pris un peu de distance. Ouh, il y a du mal. Oh là là là, pas de chance pour la orange, pas la orange, la rose. J'ai passé par toutes les couleurs. Du coup, il se fait doubler par une, deux Inix 5. 3 mix 5, il n'y a rien pu faire, hein. Là, c'est clair. Du coup, bah, je m'en trouve pour chasser. Je crois que c'était même la photo de l'affiche. Par toute cette mix 5, il y en a je sais pas combien. Et notamment dedans, il y a la Toyota 86. Voilà, regardez-moi ça. Je me mets à droite, hein, au maximum. Mais c'est chaud parce que les mecs, ils veulent se doubler. Moi, je veux pas rentrer là-dedans. Je veux rien avoir à faire avec vos histoires, les gars. Allez, moi, ça en est 5. Là, c'est. Laissez-moi. J'ai profité de leur aspi sans les gêner, c'est ce que j'ai fait. Il y en a encore qui reviennent, il y en a 3 dans une Toyota. Donc Ah, c'est 2 Toyota de MX5 qui est derrière. Et je suis revenu 5ème. Donc je suis pas non plus à la rue, hein, par rapport à MX5 devant. Même des zones où je suis meilleur que lui, là notamment je suis bien venu. Je vais le montrer, mais bon, je pourrais pas le déborder, je ne pense pas. Non, mais je perds du temps, hein. L'air de rien, je perds du temps, vous allez voir derrière ça va revenir. Donc je me dis, est-ce que je peux le doubler assez rapidement pour bien me mettre à l'abri, hein, parce que derrière, comme il était aussi rapide que moi, il va vite revenir. Mais en fait, devant il n'est pas assez rapide pour moi. J'essaie d'attaquer au maximum, hein. Il reste quoi là, c'est la fin, la course a été terminée, il va rester la fin du tour je pense. Vous voyez, il y a des endroits où la relance, moi je l'ai meilleure, donc pourtant il a de la marge, hein. Soit il est moins rapide, je sais pas, mais en tout cas j'ai un œil devant et un œil derrière. Il faut toujours, de toute façon, dans ces cas là quand tu es suiveur et suivi, il faut toujours checker les deux côtés. Toi tu vas te passer à gauche, derrière il va se passer à droite et du coup il va te dive bomb ou faire une manœuvre un petit peu du tour, enfin une course comme ça. Donc, il va me rester un tour je pense, il n'y a pas le drapeau blanc. Là, c'est pleine bourre, attention au freinage. Je ferai mieux, hein, j'ai déjà dit, mais avec mon nouveau pédalier qui est plus nouveau maintenant aussi magique, mais je veux dire, j'ai beaucoup plus de précision en termes de freinage. Alors là je l'ai bien repris.
derrière elles sont toujours là, mais là je suis mieux placé, mais vous voyez l'accès, ils sont meilleurs, donc encore une fois je peux rien faire, à part prendre son aspi, je peux rien faire du tout. Au freinage, bah, c'est chaud, je peux pas prendre totalement ma vitesse habituelle, donc du coup lui après bah, il est parti, hein. Lui il s'envole, il est à 7 dixièmes alors que j'étais dans son pare-choc. Donc là derrière 7 dixièmes, là j'ai un peu de marge, par contre le 5ème là d'autres catégories, donc il est juste à côté, je soulage, je pouvais rien faire, c'est pas la peine de se battre contre lui, c'est pas lui forcément contre qui je dois me battre, hein. De toute façon je peux pas faire grand chose à part le bloquer. Il y en a encore une derrière, et qu'elle sur la gauche, pareil il va passer, il y en a bien là dessus, et derrière c'est à 7 dixièmes. Sont plus rapides en ligne droite. Maintenant, on va voir dans l'enchaînement de virages. Ils sont 5-6, là. Il y a du monde. Ils vont gêner les uns les autres. Du coup, forcément, notamment, ils me gênent. Oh là là, il y a un spin. Oh là oh là, la casse. Je passe. Il y a du monde derrière. C'est l'autre Toyota qui est encore revenu. Hein. La rose. Ah, il en profite. Il est à l'extérieur. Donc là, ça passe. Moi, je peux rien faire. C'était chaud. Ouais, voilà. Et je me fais taper. Bon, la question à qui est la faute. Alors moi, j'ai suivi au maximum. J'étais dans le rythme. Derrière, c'était compliqué. Donc là, je suis en crabe. Là, vous voyez peut-être sur le ralenti. Je suis en crabe. C'est terminé pour moi. On va essayer de ramener la voiture. Tant bien que mal, parce que là, c'est vraiment pas évident. C'est le drapeau blanc, je crois. C'est le dernier tour. Donc on va essayer de le finir comme ça. Mais là c'est compliqué. Du coup, est-ce que j'ai suivi trop près? Est-ce qu'il n'était pas assez rapide? Il s'est rabattu sur moi. Je pense qu'il n'a pas eu le feu vert du spotter. Le spotter devait lui dire qu'il y avait quelqu'un sur sa gauche. Puisque sinon il ne serait pas rentré dedans. Est-ce qu'il fallait que je lâche? Oui, mais il y a quelqu'un derrière. C'est... En plus, j'ai fait que ça de laisser passer entre guillemets les plus rapides. J'ai pas fait vraiment d'erreur. Est-ce que j'aurais pu prendre une petite marge de manœuvre, une marge de sécurité encore supplémentaire? Je sais pas. Franchement, n'hésitez pas à me dire, mais je... Je ne saurais pas vous dire là où j'ai fait une erreur. Alors, est-ce que c'est ma faute? Est-ce que c'est la sienne? Bien évidemment, je ne vais pas faire de report, parce que forcément, on va me dire que c'est un fait de course. Je peux l'entendre. C'est dommage parce que ça casse un petit peu la course que j'avais bien réussi à mener. Là, tous ceux qui vont me doubler, ça va être des MX5, je crois, donc ça ne va pas forcément me faire perdre plus de points que ça. Je suis 10ème là, je crois, actuellement. Vous voyez, la bagnole, elle est comme ça, elle est d'équerre. Je vais la ramener, mais. Ah, tu l'as un peu mauvaise, quoi. Honnêtement. Par rapport à la bagarre qu'il y a eu, l'intensité qu'il y a eu, je trouvais ça très intéressant. Et c'est vrai qu'en une fraction de seconde, ça peut te bousiller toute ta course. Alors déjà que j'avais mal démarré, on va dire que je démarre mal et je termine mal. C'est bien là mon problème. Là, c'est enfin, sur cette course-là, en tout cas, j'avais eu envie de la refaire parce que je me trouvais vraiment à l'aise et j'avais trouvé du plaisir. Mais j'aime pas refaire les courses plusieurs fois. Pour farmer, pour faire tout ce que tu veux, j'aime pas. C'est pas mon. Moi, je trouve que sur une compétition, là, ça se joue sur la saison complète, il ne va y avoir qu'un one-shot. À part s'il y a une déconnexion, bien évidemment, mais pour tout le reste, je trouve que voilà, il devrait y avoir qu'un one shot. Bon, voilà, on termine là-dessus. Je perds un tout petit peu de points, là, 3 points en rating, un tout petit peu aussi, pas grand-chose, franchement. C'est quasi comme si c'était une course nulle en termes de points, mis à part que ça me fait quand même de l'expérience. Je redis toujours, peu importe le résultat, ça vous donne quand même des armes pour les prochaines et ça vous permet de savoir comment faire par rapport à certaines situations. Peut-être que là, l'erreur, je la ferai plus, j'en sais rien. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, ça a été quand même assez mouvementé, je ne vous le cache pas. Ça a été intéressant à rouler pour moi, à suivre pour vous, je ne sais pas. On se dit tout ça dans les commentaires, et puis on se dit à une prochaine, bonne journée, tchuss.